Oui, il y a un scandale sexuel oui. à la Fédération guinéenne de football. Mm-hmm. Ouais. C'est l'entraîneur des U-Vents qui est dans le viseur d'une enquête en ce moment. Il faut rappeler que la Fédération l'a suspendu. Mm. Il s'agit du coach Nesta, de son vrai nom Sekouba Camara. Il est accusé de pédophilie et de trafic sexuel. Mm. Et vu que les accusations sont graves, c'est la procédure. On a décidé de l'écarter et de le suspendre en c'est attendant grave, que l'enquête se poursuive. Pour l'instant, il n'est pas coupable. Il y a une enquête qui est menée. Il y a une dénonciation qui a été faite. C'est ce qui a amené déjà d'ailleurs à sa suspension. Et la Fédération a précisé, c'est à cause du caractère grave des accusations et cette suspension ira jusqu'à ce que la lumière soit faite sur l'affaire. Préserver la sécurité des joueuses surtout. Waouh. Wow. Tu as quelque chose à dire hein. Oui, toi, en fait, toi c'est, qui connais c'est, un peu le monde du sport. C'est plus, en fait, c'est parce que il y a un journal qui a interpellé la Fédération guinéenne comme quoi il y avait des dénonciations qui avaient été faites sur des pédocriminalités sur les joueuses de U20, voilà. Donc, pour atténuer toutes ces spéculations, la fédération a décidé de mettre l'entraîneur Nesta en instance de repos pour en fait aller au bout du tunnel pour voir si vraiment, parce que il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Si cela a été dit, donc la fédération compte enquêter pour voir en fait si. D'accord, ça marche.